planter ça, une petite grand-mère. Et de, parce que tu vois, c'est un tube, ça. Oui, c'est creux, le... C'est un tube, ça. Et ben, elle va mettre ça sur son rouet, et puis ça lève dessus. Ah bon? Ah, c'est vrai, ça, c'est comme la bobine, tu vois. Alors, c'est la racine qui est poison? Oui, c'est les tubercules, les racines. Bon, allez, on va aller visiter la campagne pour ailleurs. Et donc, si on fait éclater, là, ici... Le moligo, c'est doux, c'est de la famille des gratrons, ou de la spéruleodorante que vous avez, une personne qui en vend. Le gratron, c'est ce qu'on jette à l'école, tandis que celui-là ne colle pas. Hein. Ah, oui, on s'en sert pour comme émollient. Des fois, on ne la sent pas très bien, cette odeur-là, mais c'est très mellifère. Donc c'est la famille des gratrons. Par ailleurs, quand vous déterrez, il y a un petit peu de la cuve. Alors des fois, il faut aller la chercher à 10 cm. Et ça, vous appelez ça quoi? Alors, conopode. Conopode. Pas du coup. Et puis alors, sinon, la jeune. Tout le monde appelle ça la jeune. La borcelle. Non, la boursette. La boursette. La boursette, la marche. Oh, d'accord. Le prénom, ouais. c'est la marche. Et parce que nous, chez nous, moi, je suis un galop, on disait la boursette. Quand on peut plus dire qu'on peut manger toutes les plantes sauvages, parce qu'il y a depuis 50 ans des pesticides, des engrais nitrates, même un pissenlit, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir le manger parce qu'il est recouvert d'une pulvérisation qui était faite à 50 ans. Attention en voiture. Donc tout ce que je vous dis, c'est. Et souvent, il faut bien laver tout ce que vous avez mangé. Et si vous avez un jardin, même une pelouse, au lieu d'avoir une belle pelouse tondue comme une brosse, et il y a un peu de tout, il n'y aura que le pubis du bébé et la crotte du chien, mais il n'y aura rien de nitrate, pesticides et ainsi de suite. Sinon, après, là, j'aurai une conférence sur les fleurs, alors encore plus, vaut mieux cultiver votre peau de teint, de ceci, de cela, parce que ce que vous allez trouver dans un fossé est susceptible de recevoir toutes les... Voilà. Deuxième chose, souvent, autrefois, il n'y avait que la tisane et la teinture. La tisane d'une plante, c'est une plante séchée que l'on fait plus ou moins bouillir, infuser. Bouillir, c'est une décoction pour les racines, des choses comme ça, et l'infusion qui est donc de l'eau chaude versée sur le plant. Eh bien, c'était pas mal, mais quand vous aviez affaire à des plantes aromatiques, une grande partie de l'arôme s'en allait nettoyer le plafond ou soigner les gens. Donc, il existe une chose, et là je fais une publicité, je sais bien, pour la pharmacie, mais bon, la pharmacie tout en étant peut-être... c'est le meilleur des charlatans, si vous voulez, j'ai été à la pharmacie. Parce qu'on est obligé de suivre des normes, et si vous avez ces plantes-là qui sont cryobroyées et sont employées sous forme de gélules, et vous avez une certaine sécurité d'emploi. C'est tout ce que je voulais dire, parce que maintenant tout le monde vous vend. J'ai vu en Provence, vous vendre de la lavande en voiture, voilà. C'était même pas la lavande officinale, c'était du lavandin. Vous payez trois fois plus cher avec le docteur Bachin Truc Chouette qui est spécialiste en Belgique. Donc tout le monde vend tout. Faites quand même attention, il y a des allergies avec les plantes. Hein. Vous avez des gens qui sont susceptibles d'avoir des gratouilles avec les plantes. Donc les plantes, la médecine douce n'existe pas. Elle est médecine ou elle ne l'est pas. Elle soigne ou elle ne soigne pas. Hein. Naturellement, elle sera peut-être moins brutale en choisissant quel plant, mais si vous prenez de la ciguë, ce sera aussi brutal. Alors, le feuillage est vert tacheté. Et pourquoi orchis? Il n'y a pas le droit de cueillir. Orchis, orchite, messieurs, testicules, voilà. Pour une fois que je peux parler des hommes, donc, parce que les petits tubercules, le bulbe qu'il y a au-dessous, ressemblaient à des COUI2LE. Donc, appel orchis. Et alors, oh là là, non, il y en a même qui a employé ça en se disant, puisque ça ressemble, il y a des théories là-dessus, comme ça ressemble à des hommes que vont prendre, ça va leur donner de la chouette. Ça marche pas, ça marche pas. Ok, moi je veux pas brouter tout ce qu'on va dire. Alors, moi je vais lire les archives de tirage. Vous avez lu là. Ouais. Véronique. Véronique Petit-Chêne.
Bah, le planta ou alors, oui, mais sinon il y avait l'armoise. On va pas retenir sinon. Bon, ici vous avez la marque de ça, je t'aime un peu, passionnément, pas du tout, oui. Folie, hein, vous savez le code. Oui, oui, on connaît, oui. Moi, j'ai vu. Savoir ce que c'est, cette petite. Passiflore. Un passiflore. Un passiflore, ça. Non, non, excusez-moi, oh, c'est un lapsus. C'est un lapsus, mais je vais en avoir, vous savez, Alzheimer est pas loin. Hein. Le polygala, ça aide à donner du lait aux vaches. Ah, d'accord. Donc c'est galactogène et galactogène. Ah, voilà. Ah, bon, elle est belle, hein. Alors, la violette des chiens, comme ça, là, bien, eh bien, le pétale se mange. Par contre, la plante en elle-même et surtout les racines sont en petite dose vomitives, émétiques. Voilà. Et sinon, à petite dose, elle peut aider à l'expectoration. Donc, elle faisait partie en pharmacie de ces plantes sèches et pectorales. Hein. Mais là, c'est. Je vais me permettre de l'arracher parce qu'on va en trouver d'autres. Ah ben tout est violet, attention. C'est hein, celui-là ouais. Alors. Alors ça c'est le polygala. Il est violet. Il y a du blanc, il y a du mauve et il y a du violet. Donc la violette, elle est comme ça. Polygala, hein. C'est ça. Mais elle n'est pas odorante. Les plantes sont diurétiques, c'est-à-dire elles font pisser en termes français. Ben oui. Et puis c'est français. Hein. Bon. Et celle-là, monsieur, là. Et alors ça, c'est la germandrée petit sel, la germandrée à feuilles de sauge, mais ah oui, ça ne sent pas la sauge. Et ça n'a pas les propriétés de la sauge. Rien. Ça ressemble à la menthe. Et non. Là, ah bah oui, bah là, vous pouvez... Il y a plus la sauge que la menthe. Ça pue, hein, vous allez voir que c'est pas de la menthe. Hein. Non, non, bon, voilà, on continue. Ah oui, non, mais non, regardez la fleur. Alors, oui, alors la fougère que vous voyez là, hein, la plus commune, on l'appelle la fougère aigle. Alors, faut faire attention parce que ça peut couper les doigts, surtout quand c'est sec. Hein, quand c'est sec, ça vous coupe les doigts. Les jeunes pousses se mangent, moi j'ai jamais mangé. Et sinon, autrefois, ça servait pour tuer les vers. Hein? Et surtout la fougère, pas celle-là, mais la fougère mâle, on disait extrait éthéré de fougère mâle, c'est-à-dire avec de l'éther et on en faisait un gel épais. Et ça tuait surtout le ténia. Alors vous mettiez là, vous regardiez, petit, vous mettiez l'extrait, puis toutefois il du lait chaud et il aime ça, il descend. Mais l'ennui, c'est que quand vous voyez la tête, il y a 5 à 7 mètres derrière. Alors, ceux qui ont fait de la marine, hein. Les petites boules. À l'arrière, il faut un microscope des fois où il y a des. Enfin, c'est du moins pas un microscope, une loupe pour grossir. Alors dans la fougère mâle, par exemple, vous avez comme des petits godets. Et des balcons au théâtre, hein, ben, vous avez des petits godets comme ça à l'arrière, hein, tandis que la fougère femelle n'a pas ça. Mais en fait, c'est une fausse. Comme bon, pas illustration, mais c'est pas les mots exacts qu'il faudra employer parce que la femelle et la femelle, c'est pas fille et c'est pas l'homme et la femme. Hein, c'est pas des plantes, il y en a 50. Hein. Est-ce que là, c'est la famille des taupins, ça sont les tisanes, tout ça, donc les gens mangeaient du chimique, hein, comme le chimique aussi, ça peut faire. La preuve, nous deux, hein, on en bouffe. Hein. Vrai, je connaissais un préparateur en pharmacie à Paris. Moi. Il n'a pas dû arriver, moi, à 70 ans pour bouffer autant de médicaments. Jusqu'à cet âge-là, j'avais bouffé de médicaments. Ouais, hein. Oh. Je ne devrais pas parler comme ça. Hein, du coup, ingurgité, là, bah, oui. Alors, pour les messieurs, là. Alors pour les messieurs, à part la prostate, il y a des défections. Alors ça s'appelle la berce, la grande berce. Pas la grande Bertha, hein, la grande berce. La tisane, il paraît, j'ai pas essayé parce que j'en avais pas besoin et maintenant c'est trop tard. Ça aidait à...